Thank you very much. So it's 4 minutes past five. We are a bit late, but we can still have maybe a 10 to 15 minutes discussion on the presentations, on the three presentations we had this afternoon, or possibly longer if people would like it. But so I'm happy to take questions. Yes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'appelle Michel Lehet, je suis avocat, sans doute je crois le seul juriste ici, invité par le PUCA justement pour vous écouter. Et je tenais vraiment à vous remercier parce que depuis ce matin, malgré mes difficultés à comprendre l'anglais, je me suis régalé. J'ai vu que, bon, d'abord, pour rendre hommage à la représentante de la ville de Lille, vive le football. Moi, c'est par le football que, traversant le monde, étant un des membres de la présidence de l'Union internationale des avocats et dans différentes associations à l'international, le football a été une porte d'entrée fabuleuse pour parler aux autres, écouter les autres et aussi regarder l'image des stades et la conception des stades. Alors, ceci étant, moi, j'ai entendu chez vous, là, quelque chose de commun, et je me suis dit, mais je fais la même chose qu'eux. Vous avez tous prononcé au moins 10 fois, 20 fois, le mot stratégie. Et quelle que soit votre discipline, eh bien, oui, ça, c'est important. Et puis, avant de poser ma question, encore un point. Par contre, j'ai senti, pas comme un vide, mais comme un manque. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'étais invité par le PUCA en ayant qui a l'intention d'organiser des conférences, des débats sur l'architecture, sur le droit de l'architecture que j'ai inventé et que j'enseigne à Paris 2. Eh bien, là, c'est vrai qu'il me semble qu'il y a un certain manque de la dimension juridique qui n'est pas seulement une assistance, qui n'est pas seulement de la gestion technique, de la maîtrise de la gestion qu'on a entendu toute la journée, mais quelque chose d'autre, de l'essence même de ce droit qui peut apporter à l'ensemble des acteurs, me semble-t-il, en tous les cas je le pratique ainsi, quelque chose d'autre, une relation. Alors ma question, c'est dans les différentes recherches que vous avez, alors je m'adresse plus particulièrement peut-être au professeur Christian Lefebvre, dont j'ai apprécié l'humour anglais et qui a été séduisant depuis ce matin. Je voudrais demander si dans les recherches que vous avez faites depuis déjà de nombreuses années, même si vous êtes tous très jeunes à mes yeux, eh bien, est-ce que vous avez eu des relations avec le droit et l'architecture, et pas seulement ça, avec ce qui est pour moi le plus important encore, avec des philosophes et pour finir avec des poètes? Voilà ma question. Merci. Merci. On va peut-être prendre des autres commentaires ou questions en vous invitant à brièveté dans vos interventions, oui, compte tenu de l'heure. Et donc, voilà. Petite question. It's a question for Torino. I was surprised that you didn't, but you didn't have time to mention the vegan strategy of Torino, because I don't know, I think Christian was telling about good food, wine, and I had some readings about how vegan perspective makes some people really mad and sad in Torino, and a lot of trouble is growing around this issue. So. Hang on, Alberto, a few other comments, and then we'll wrap up, right? Yeah. Syria, and then Michael.
Moi, j'ai une petite question pour Christian sur l'internationalisation de Barcelone. Dans quelle mesure elle a été facilitée par la volonté d'européanisation? Parce qu'en fait, on ne distingue pas là, dans notre débat les deux dimensions. Et puis, dans quelle mesure le fait d'être capitale de la Catalogne a joué un rôle aussi peut-être important dans cette volonté d'européanisation? Michael? I have a question which was already in my mind before Monsieur Huet talked about the absence of the juridic dimension. And this was listening to Véronique and her discussion about Amsterdam and about the dependence on European funding and on the European urban program to promote and subsidize the visions of cities. And I began to wonder what happened to subsidiarity. This is a Brexit type question, I know, but surely Europe has no business in engaging directly with cities. I put it as a question. That was a blunt statement, so hopefully we'll call for some comments. Yes, Nicolas? Moi, je veux bien répondre à la question sur le droit. Juste. Alors, du coup, tu rebondiras peut-être. C'est que sur la question d'internationalisation des villes, justement, on s'est rendu compte que la pratique préexistait sur le droit. C'est quelque chose de... C'est-à-dire que c'est Antoine Vion, il montre bien dans ses papiers sur la mobilisation pour un droit. En fait, on se rend compte que les maires des villes, surtout les maires, pas tant les régions, dans les années 60-70, faisaient de la coopération décentralisée et de l'internationalisation sans base juridique. Et que la base juridique intervient finalement après. Donc c'est intéressant de voir. Les enfants sans le savoir. Non, ce que je veux dire, c'est que les règles de droit, notamment les lois qui permettent, qui donnent une assise juridique aux opérations de coopération, viennent après que les maires se soient eux-mêmes engagés dans le... Et le dernier élément sur la poésie, sur l'internationalisation des villes, il y a une formule qui dit parfois que politique internationale de production des villes commence par la poésie, mais malheureusement finissent par la spéculation immobilière. Donc on se méfie un peu parfois de ce genre d'assises. C'est pour finir la journée parce qu'on est un peu fatigué. Non, c'est l'inverse. Ça commence par la spéculation et ça se finit par le rêve. Alors, donc, nous laisserons ce débat ouvert pour la bière que vous irez prendre ensemble après la séance. Mais en revanche, s'il n'y a pas d'autres commentaires de la part de la salle, peut-être on laisse quelques minutes à chacun de nos trois intervenants. So, to each of our three speakers to respond and comment on the comments. Starting with Professor Lefebvre. Bon, je vais répondre en français aux questions posées en français. Alors, le droit, très rapidement, quand on a fait le programme CHITA, et probablement Michael va s'en souvenir, on avait avec nous des juristes. On avait un juriste espagnol, José Rodríguez Álvarez, qui a commencé justement par nous faire un peu un point sur les législations dans chaque pays par rapport à justement l'autorisation légale, à la légalité des actions, notamment de coopération. Effectivement, c'était la première chose, notamment de coopération décentralisée. Et on s'est aperçu d'abord une extrême diversité des situations juridiques, avec la France probablement ayant les contraintes juridiques qui pèsent sur les collectivités locales beaucoup plus fortes pour des raisons d'histoire de la France, d'un État unitaire, où par exemple les régions espagnoles comme la Catalogne pouvaient signer des accords internationaux sans avoir l'aval de l'État, alors qu'en France il fallait que le préfet signe. Donc exemple, Languedoc-Roussillon signe un contrat avec la Catalogne, du côté de la Catalogne il y a le président de la Catalogne et en face il y a le préfet de la région, représentant de l'État et le président du conseil régional. Et puis bien sûr, c'est ce que tu as dit, hein, tout à fait, que la pratique l'emporte sur le droit, mais c'est pas quelque chose qui est spécifique aux relations internationales des villes. C'est comme ça qu'on fait avancer le droit souvent, et qu'un vrai homme politique, moi je dirais, c'est quelqu'un qui est capable de s'affranchir du droit pour justement présenter des idées nouvelles. Ça, c'est la première chose. Deuxième, je ferai une réponse rapide sur Syria. Il est certain que pour la ville de Barcelone,
mais probablement en même temps pour la Generalitat, l'intégration européenne, ça a été un moyen de commencer à s'affranchir du joug de l'État espagnol. C'est-à-dire elle a joué l'international comme ressource politique par rapport à l'État espagnol. Yes, to try to answer to the question of Michael about subsidiarity and the link with the event of European agenda. In fact, I think that now the network of metropolis are really the symbol of the subsidiarity and maybe a sort of federalism of the European Commission, but in fact it's not the statute of European Commission. It's a sort of lobbying, of course, and it's due for the European agenda. It was the first time that the signature was as involved metropolis and cities as real actors and stakeholders for the negotiations. And that's why it was really symbolic and very important, because before that it was only the representant of each state with the European Commission. And it's really a sort of change, and more than ever the metropolis and the regions too, huh? They are the real partners of European Commission. And we can see with the presence in Brussels of the regions, different regions of Europe, but also now metropolis, and the question even for Lille, very close to Brussels, this issue is now a real issue for us to have an agency, to have an office in Brussels too. So that's true. I am aware that the question on the jury, the absence of the perspective on the law, is different from the kind of things I'm going to say, but maybe it pushes me to think also, maybe it would be useful to reflect on who has the right to produce an image, to brand a place, since modification in the brand actually impact on the everyday life of people. What does it mean to live in a branded place? Maybe it's possible to reflect on that. I mean, from a theoretical point of view, everything that changes your life may be read in terms of Lefebvrean right to the city. Maybe that's a part of the right to the city, also the right to have something to say about the brand and the image. Concerning the case of vegetarian move culture in Turin, well, that's very interesting. It looks to me quite simple as explanation. The point is, there is a growing cultural sensitivity towards vegetarian issues. I'm part of that personally. That totally collapses with the rhetoric of an important gastronomic sector, that is meat. There is a lot of advertising on the quality, how genuine and natural is the meat from Italy. And now these people start saying, don't eat. And even that is sustainable, which is highly, we can debate a lot about how sustainable is eating meat. Anyway, that's, and it's also quite visible on the more national level. It's, for example, it's impossible for the Ministry of Agriculture to say something positive about vegetarianism for obvious reasons. That's very economic from my point of view. Thank you very much, all of you. No pressing comment or question so far. So it was a nice and intense day, so thanks to all the presenters,
presentators, paper givers. Thank you to all the participants. Thank you to everyone. And so we will meet, hopefully, most of you again on the 3rd of February, and the date will soon be officially confirmed, or changed, but most probably confirmed. And so we'll be happy to have you again, possibly here again in the Hôtel de Ville de Paris, which has very kindly hosted this workshop today. And so have a nice evening and see you soon. Bye.